investissement industriel de première importance pour le Maroc. Il s'agit d'une première usine qui permet de produire des conduites d'eau pour le transport et l'adduction de l'eau potable ou de l'eau d'assainissement, avec une importance stratégique dans un contexte de changement climatique qui est très important, que connaît notre pays et plus largement que connaît l'Afrique. Alors, c'est un projet de l'ordre de 115 millions de dirhams d'investissement, avec une subvention d'État qui est de l'ordre de 20 millions de dirhams et qui nous a aussi poussé à aller plus loin. On est sur 190 emplois qui ont été créés, sans parler de tout le tissu industriel important de sous-traitants, d'emplois indirects. Mais plus important, c'est vraiment la souveraineté industrielle, les discours d'Yelou. Aujourd'hui, c'est une réalité en ce qui concerne cette adduction-là. Et on est très fiers, justement, de cet investissement.